Le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté les appels de pays européens à organiser des élections anticipées après que son opposant Juan Guaido s'est lui-même déclaré dirigeant du pays par intérim. Maduro s'est exprimé dimanche lors d'un entretien avec une chaîne de télévision espagnole. Il a indiqué qu'il ne céderait pas à la pression de ceux qui appellent à son départ. L'Espagne, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ainsi que d'autres nations européennes ont déclaré que si Maduro n'organise pas d'élections, elles reconnaîtraient Guaido en tant que président légitime du Venezuela. Maduro a en outre ajouté qu'il n'y aurait pas de guerre civile au Venezuela après que le président américain Donald Trump a menacé de la possibilité d'envoyer l'armée dans ce pays.